Alors Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition des figures marquantes de notre histoire, édition qui prend place à l'intérieur de la septième saison qui est consacrée aux figures marquantes de la solidarité. Et nul doute que la personne qui sera à l'honneur durant cet entretien s'inscrit très bien dans cette filiation, dans cette, dans cette tradition de solidarité de, de personnages qui ont été marqués par cette valeur cardinale. Aujourd'hui, il sera question de Marguerite Diouville, de son véritable nom Marie-Marguerite Dufrost de la Jamaret, qui est née à Varennes en 1701 et qui est décédée à Montréal en 1771. Le parcours, la vie et l'œuvre de Marguerite Diouville me fait beaucoup penser à celle de deux autres femmes importantes, illustres, dont nous avons parlé durant cette série, Émilie Gamelin au XIXe siècle et plus loin dans le passé, Marie Guyard au XVIIe siècle. Comme ces deux femmes, Marguerite Diouville était issue d'un milieu social assez avantagé. Elle est l'arrière-petite-fille de Pierre Boucher, Pierre Boucher qui avait été reçu en audience par Louis XIV au début des années 1660. Elle était aussi la nièce de La le grand La qui avait exploré l'Ouest avec ses fils et dont l'un d'eux s'était rendu jusqu'au pied des Rocheuses. Donc, un milieu, euh, un milieu social plutôt euh, aisé. Comme euh, Émilie Gamelin et comme Marie Guyard, euh, Marguerite Djouville a aussi été frappée par une grande épreuve, qui est celle euh, de devenir veuve à 28 ans, donc très jeune, un peu comme d'ailleurs ces deux autres femmes, devenues veuve très jeune d'un certain François Djouville, à qui elle a dû son nom. Elle a enfanté, hein, comme les deux autres femmes, elle a eu des enfants, elle en a eu six, mais seulement deux sont restés vivants. Et un peu comme Marie Guyard, hein, Marie Guyard, on sait que c'est son fils qui a beaucoup raconté sa vie à travers toute une correspondance avec sa mère, Marie de l'Incarnation. Euh, eh bien, Marguerite Jouville a eu un fils qui a beaucoup écrit sur sa mère, qui a écrit en fait des souvenirs sur sa mère, et c'est une source très, très riche. Et comme dans le cas de ces deux autres femmes, ce, ce veuve très tôt, hein, ce, ce veuvage, le fait de devenir veuve si jeune, eh bien, a sûrement marqué hein, son destin spirituel, a été une épreuve importante qui a orienté probablement sa vie. Autre caractéristique hein, qui relie Marie Guyard, Émilie Gamelin, à Marguerite Duville, c'est le fait que, comme ces deux autres femmes, Marguerite Duville a choisi un destin spirituel dans le monde. Hein. La, la grande majorité des femmes qui choisissaient la carrière spirituelle se retirait souvent dans un cloître, dans un monastère, se retirait à l'extérieur du monde. Or, ces grandes femmes, euh, dont fait partie Marguerite Diouville, ont au contraire voulu s'investir dans le monde pour aider les plus pauvres, les déshérités. Dans le cas de Marguerite Diouville, des femmes, des femmes souvent euh, marginales, qu'elle a, euh, qu a aidées lorsqu'elle dirigeait l'hôpital général avec d'autres femmes de, 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 de sa congrégation. D'ailleurs, cette œuvre suscitait des interrogations chez une certaine élite montréalaise. On a d'ailleurs parlé des sœurs grises, hein, et on comprendra avec notre invité que cette expression, cette formule était plutôt dépréciative et péjorative. Alors justement, pour nous parler de Marguerite Jouville, nous avons invité un, un historien, euh, docteur en histoire, donc, et auteur de plusieurs articles et monographies. C'est un spécialiste de l'histoire religieuse du Québec. C'est un spécialiste et c'est aussi un enseignant, un enseignant au pensionnat Saint-Nom de Marie. Et euh, cet enseignant n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'est mérité en 2020 le prix du gouverneur général en enseignement, justement. Donc, il me fait plaisir d'accueillir pour vous M. Dominique La Perle. Dominique, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'accueillir. Alors Dominique, euh, je vous poserai la première question. J'ai vérifié, vous êtes né en 1970, je suis né en 1969. On est de la même génération, on a grandi dans un Québec qui s'est beaucoup construit, un Québec moderne contre l'église, contre le religieux. Et vous, vous avez décidé de consacrer votre doctorat et vous avez décidé de consacrer vos recherches à l'histoire religieuse du Québec. Alors pourquoi Pourquoi avoir fait ce choix-là alors, il y a des raisons familiales, en fait. Euh, mon père fait partie de cette génération d'hommes qui est d'abord entré au séminaire, qui est devenu prêtre, puis qui est sorti pour marier ma mère. Donc, j'ai grandi dans une famille où cet héritage catholique existait et où il y avait quand même un équilibre dans le jugement, puis dans les éléments qui étaient à se souvenir et à, justement, à, à apprécier. La deuxième chose, c'est, vous l'avez dit au départ, j'enseigne au Pensionnat du Saint-Nom de Marie. Et au moment du centenaire du Pensionnat, j'ai eu le privilège d'écrire l'histoire de cette institution, ce qui m'a ouvert des fonds d'archives inédits. Et j'ai compris alors quel potentiel immense pour un historien il y avait là à exploiter et écrire des textes sur l'histoire de ces femmes consacrées euh, qui avaient justement dédié leur vie à l'enseignement, aux soins de santé, aux services sociaux. Alors, de fil en aiguille, c'est devenu une thèse de doctorat, puis de nombreuses publications. Donc, une sensibilité d'abord vers les sœurs des saints noms de Jésus et de Marie. Puis, par la force des choses, un élargissement vers d'autres communautés religieuses, notamment dans le cadre de mes recherches sur le Concile Vatican II, la réception du Concile. Eh bien, j'ai abordé plein de communautés religieuses et des sœurs grises se sont présentées à moi avec un petit clin d'œil parce que larrière grand tante de ma mère était une sœur grise qui a œuvré comme infirmière au Manitoba. Ah oui? Exactement. Alors, donc, c'est… C'est très familial. Est, cet humain. C'est euh, De toute, de toute, vous voyez, j'ai comparé Marguerite Duvel, J'espère que j'ai pas fait euh, gros, de grossières erreurs. Là, je à un spécialiste. Il y a aucun risque d'inquisition. <laughs> Inquiétez-vous pas. Non, non, mais de comparer le parcours de Marguerite Duvel, ça m'a, ça m'a frappé en, en lisant ce que vous m'avez envoyé, puis en réfléchissant sur sa vie. Donc, il y a eu quand même, on a tout un panthéon de, de femmes assez exceptionnelles qui se sont dédiées comme ça, souvent à cause de leurs convictions religieuses. Mais vous, vous êtes intéressé, donc il y a cet élément familial, mais pourquoi Marguerite Duville plus précisément? Vous avez écrit un long article récemment, parce que vous n'étiez pas très content d'une interprétation. On reviendra d'ailleurs. Oui, exactement, sur certaines dimensions ouais. qui lui sont reprochées. Ouais. Mais Marguerite Duville, c'est justement euh, la personne qui incarne dans le fond le souci euh, du pauvre, l'intérêt pour la personne délaissée. Alors, euh, dans sa vie, dans le fond, la transition s'est faite en 1737, au moment où elle a pour la première fois une femme aveugle chez elle avec d'autres compagnes. Mais on sent chez elle, dès le départ, euh, une grande sensibilité. Euh, liée probablement à son parcours familial. Elle a énormément de femmes de sa famille, entre autres, qui ont été formées par les Ursulines. Mais d'autre part, elle-même, elle est euh, passée au couvent des Ursulines et des dévotions se sont développées chez elle au sein de la famille, mais aussi grâce aux Ursulines. Donc, lentement, les choses se sont installées en elle et la vie, vous le disiez au départ, la vie est venue euh, lui euh, faire vivre une espèce de chemin de croix qui va justement la diriger vers la croix, qui est très importante pour les Sœurs Grises, mais qui vont aussi lui donner finalement des objectifs pour transformer la société. Et c'est ce qui a marqué votre intérêt pour elle plutôt que pour d'autres. Exactement. Je, je voyais derrière euh, ce portrait-là de cette femme qui a été surnommée en 1959 euh, la mère de la charité universelle. Le portrait, dans le fond, de quelque chose de public que bien des femmes québécoises faisaient. Dans nos histoires familiales, combien de personnes ont raconté l'histoire de cette personne errante qui frappe à la porte et qui demande la charité. Et là, je pense entre autres à, à la mère de mon père qui accueillait à Saint-Ours, sur le bord du Richelieu, une personne qui venait quêter, qui s'assoyait sur le banc, de quêteux, le banc du quêteux. Le fameux banc du quêteux. Oui, 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 et là, elle remettait une tranche de pain vraiment couverte euh, de mélasse pour cette personne-là qui repartait par la suite. Ce geste-là, dans ma famille, s'est multiplié par des milliers de fois à travers le Québec, mais euh, Marguerite Jouville en a fait, elle, quelque chose comme un, une visée pour un groupe de femmes, et c'est devenu une institution remarquable de ce, dans ce sens-là. Alors, euh, Marguerite Duville, si j'ai bien compris ce que vous m'avez écrit, c'est une de nos premières saintes. Exact. Alors, c'est la première Alors, il faut bien sûr sait ouais. Il y a des femmes qui sont nées en France qui sont devenues saintes, ah oui, mais c'est elle, elle est née ici, donc c'est la première canadienne qui devient de qui naissance, est, de naissance qui devient une sainte. Ah oui, en ouais. quelle année Alors, Alors, donc, on a eu un long processus qui s'est fait de, à partir de 1800, 1890. En 1959, on a euh, le pape Jean XXIII qui la béatifie pour finalement voir euh, la réalisation en 1990. Alors, quand il y a des processus comme ça, il faut monter un dossier. Ah, D'ailleurs, c'est très riche pour les historiens. Exactement. <laughs> Parce que là, il dossiers qu'on consulte pour devenir un saint. Alors là, ça, ça dit il faut démontrer que cette personne-là a eu une sorte d'accès privilégié à l'au-delà. Alors, justement, sur Marguerite jouville, est-ce qu'on a des sources uniquement de ce type, donc assez édifiantes ou, ou agiographiques, ou est-ce qu'on a des sources plus solides et peut-être un peu plus neutres? Bon, alors au départ, on a, vous l'avez mentionné, son fils, un de ses deux fils, Christophe, a écrit euh, dans le fond un texte, euh, La vie de la vénérable Marie-Riouville. Il a aussi réalisé un texte qui s'appelle les, les Mémoires euh, en vue de préparer justement un travail de, 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 de biographie sur elle. Ces textes-là avaient été oubliés. Euh, ces textes-là avaient été oubliés. Ils ont été redécouverts euh, à Varennes, dans, dans le presbytère, euh, à Boucherville Est-ce Mais ces textes-là avaient été édités. Ils n'avaient jamais été édités. Ils ont été édités dans le rapport de l'archiviste de la province de Québec. Et d'ailleurs, la bibliothèque, bibliothèque et Archives nationales du Québec les a numérisés. Donc, mmh. ces récits euh, d'origine sont accessibles en ligne pour le grand public euh, québécois. Euh, on a aussi, bien entendu, un travail. Euh, plusieurs euh, Sulpiciens ont travaillé euh, des, des biographies à partir justement de ces écrits anciens. Alors, le Père Satin, on a aussi l'abbé Fayon qui a préparé des biographies qui sont bien sûr écrites à une époque au 19e siècle avec ce, ce, cette espèce de climat agéographique. Alors, on a récemment eu euh, des travaux de l'historienne de la congrégation, sœur Estelle Mitchell, qui a, qui a revalorisé la figure de la fondatrice. Mais on attend encore, finalement, la, la, la grande biographie scientifique euh, à jour récente sur Marguerite Duville. On a une très belle notice dans le dictionnaire biographique euh, du Canada, mmh. mais il y a encore du boulot à faire de ce côté-là. Oui, c'est ça, parce que d'autres femmes, par exemple Marie de l'Incarnation, il y a eu quand même du travail, même du travail savant, mais du travail un peu plus grand public. – Absolument. Euh, – Marguerite Bourgeois. Mais c'est vrai que pour Marguerite Duville, on, on attend le, le livre. – Absolument. Euh, – Maintenant, euh, en attendant ce livre, allons-y, plongeons. Euh, alors, présentez-nous justement les origines de cette femme. J'ai dit qu'elle était d'un milieu plutôt avantagé, mais soyez peut-être plus précis. Donc, c'est une famille qui est ancrée dans l'histoire de la Nouvelle-France. Euh, vous l'avez dit, les bouchers de Boucherville, on a les Gautier de Varennes. Donc, ce sont des gens qui ont à la fois œuvré sur le plan militaire, sur le plan du commerce des fourrures, et qui se sont ancrés dans euh, le, le bassin laurentien. Ils ont obtenu des seigneuries et lentement, ils ont développé euh, de grandes, euh, ces, ces, ces grandes terres euh, de la rive sud de, du Saint-Laurent. Cette famille était donc une famille très, très bien euh, liée sur le plan. Que vous avez nommé les Gauthier, vous avez nommé euh, les Boucherville, tout ça. Ce sont des gens qui sont littéralement au cœur des décisions de la Nouvelle-France. Donc, elle grandit dans un milieu euh, où l'éducation est importante elle grandit dans un milieu où le pouvoir est important et très rapidement, euh, mine de rien, elle va avoir cette éducation-là d'un milieu aisé qui va venir. Mais dans son cas, c'est brutalement arrêté mm -hmm. parce que euh, son père, euh, M. de la Gemmeret, qui, qui était de la petite noblesse bretonne, qui était venu ici en travaillant, en œuvrant au sein des, euh, des compagnies franches de la marine. Ça, son père n'est pas un Canadien, en fait, c'est un français. C'est ça. ça. Exactement. Mais lui, il va mourir très tôt. Alors donc, euh, sa mère, euh, Marie-Renée euh, Gauthier de Varennes, va se retrouver veuve avec de nombreux enfants. Et donc, la petite, elle va se retrouver sans père très rapidement. Rapidement. Elle va compter sur le soutien des bourses que Mme de la Pelletrie avait mis en place pour, au départ pour les, les femmes des Premières Nations, mais finalement, ça s'est détourné davantage vers la noblesse pauvre de la Nouvelle-France. Et elle va se retrouver, à, grâce à ça, à étudier de 1712 à 1714 chez les Ursulines. Elle y retrouve d'ailleurs une, une grande tante, Mère euh, euh, Boucher de Saint-Pierre, qui va d'ailleurs euh, l'accueillir. Ce qu'on sait, c'est qu'à ce moment-là, dans le couvent des Ursulines, elle va être initiée, entre autres, aux dévotions du Sacré-Cœur. Elle va euh, lire l'œuvre de Boudon sur la, euh, sur la croix qui va devenir un élément fondamental pour elle dans sa spiritualité. Puis, les moyens financiers étant ce qu'ils sont, elle retourne après deux ans chez elle aider sa famille. C'est une femme, donc une jeune femme, qui va oeuvrer. On n'a pas beaucoup d'informations sur les détails de ce qu'elle a vécu dans ces années-là, mais ce qu'on sait, c'est que sa mère va devoir, euh, va chercher mari, va chercher à se remarier, ce qu'elle va faire euh, finalement euh, en 1720. Mm -hmm. Sauf que euh, c'est un homme qui a l'air un peu spécial. Parlez-nous ah. parlez de ce, ce beau-père. De Marguerite Diouville et le destin de sa mère a été assez bouleversé. Racontez-nous, enfin, ça ne semble pas clair, mais on peut en déduire un certain nombre de choses euh, Absolument. qui l'ont marqué. Il faut se rappeler qu'à cette époque de la Nouvelle-France, même si les femmes avaient euh, une certaine protection grâce aux, euh, aux sommes dans les contrats notariés de Douaire et de Priscipute qui leur assuraient une certaine sécurité, il n'y en a pas moins qu'elles se retrouvent veuve avec des enfants. Euh, elle n'a pas droit, bien sûr, à une grande pension. Il va falloir que le gouverneur fasse des pressions auprès de la monarchie française pour qu'elle obtienne un, 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 en 1714 une modeste pension de 50 écus en souvenir des, des services de, de, de son défunt mari. Donc, c'est quelqu'un qui se retrouve finalement sans le sou. On voit cet homme arriver, un originaire de Cork, en Irlande. On a un monsieur Timothy Sullivan qui se présente. Euh, c'est un chirurgien. On sent bien qu'il a un, une formation de cette époque-là comme chirurgien, comme médecin probablement des bases assez simples. Et là, lui, bien entendu, veut euh, probablement s'installer comme il faut. Il y voit dans le fond quelque chose de très positif. Il a des sous. Il est plus jeune. Il est pas mal plus jeune. Mon Dieu, ça, on aurait dit probablement aujourd'hui, mon Dieu, c'est une cougar qui s'en <laughs> prend à un jeune homme, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est autre chose. Il faut savoir que les, les différences d'âge à l'époque dans un remariage sont fréquentes, avec oui. un mari plus jeune, un deuxième mariage, le mari plus jeune et la femme plus âgée. Ça, ça arrivait régulièrement. Alors. On va faire cette démarche-là. Finalement, il y a un rapprochement et on sent bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que dans le fond, on le dit au départ, euh, Marguerite appartient à une famille qui est installée, qui est bien reliée à un important réseau aristocratique. Monsieur Sullivan ne l'a pas, ce réseau-là. Mmh. Donc, la famille n'est pas tout à fait à l'aise avec ce mariage-là. Mais ce mariage-là, finalement, va être, et c'est normalement, on célèbre le mariage à l'époque dans la paroisse de, de la mariée. Mais là, ce qui va se passer, c'est que le couple qui se fréquente à partir de 1718 va finalement se marier presque en catimini euh, dans, dans le coin de Neuville, la paroisse Saint-François de salle euh, dans le fond, dans le bout de Québec, pour se, justement convoler en juste noces. Et ce qui est très étrange, c'est que le mariage a lieu et le contrat notarié sera signé après. Ce qui est habituellement l'inverse, en tout cas à cette époque-là. Donc, c'est un mariage pour... Euh, alors, moi, ce que je vois là-dedans, c'est que M. Sullivan en tirait profit. Il a un mariage, il se crée un réseau, et très rapidement, il va profiter de ce réseau-là, notamment avec le gouverneur de Vaudreuil, pour demander des lettres de naturalisation ah, oui. et un permis d'exercer la médecine légalement. Mais ça ressemble presque à aujourd'hui. On, se marie, oh, on se marie parfois pour des papiers. Oh, arrêtez bon. Alors, <laughs> ça on peut s... arriver. Mais en tout cas, donc ça n'a pas, oui. pas fonctionné. Finalement, il se marie, il a ses oui. papiers, il est naturalisé, il devient médecin, mais très rapidement, on se rend compte que c'est un drôle d'individu, un homme colérique. Euh, et on va découvrir finalement qu'il bat résul... euh, régulièrement euh, la mère de Marguerite. Et ça, ça va devenir quelque chose de très grave au point que euh, il va en, en 1737, la veille de Noël, on va intervenir chez lui parce qu'il a battu sauvagement. Euh, son épouse. Alors là, c'est trop. Ouais. Alors là, il y a l'oncle qui arrive. Gauthier de la Véranderie vient faire un tour avec le frère de, de, de l'épouse, donc euh, Gauthier de Varenne. Et là, ils vont saisir leur femme, ils vont la sortir de la maison et entreprendre une espèce de poursuite judiciaire dans le but de casser le mariage. Ce qui est scandaleux, on s'entend. On est dans, un, dans une société où les normes, ouais. le contrôle social est très important. C'est une honte pour toute la famille. Mmh. Alors, finalement, toute cette affaire-là, une partie des pièces du procès sont perdues, mais ce qu'on sait, c'est que le couple s'est réconcilié. Mmh. Et donc, ils ont continué à vivre ensemble. Mais ça n'empêche pas qu'il a un sale caractère. Mmh. Il, va, il va blesser son, à un autre moment, euh, le côté de la véranderie il va le, le, le piquer avec une lame, euh, et là, Pris de surprise, il va le soigner, l'engueuler, le soigner, l'engueuler. La même chose avec un huissier qui vient un jour lui dire Votre maison est en danger de feu, il faudrait faire quelque chose. Il le bat sauvagement, il le soigne. C'est un colérique. Il a un petit est, caractère. Il a un petit caractère. Justement, mais la jeune Marguerite Duville, enfin, qui n'est pas encore Duville, mais. Elle devait, ça devait pas trop lui donner envie de se marier. Et pourtant, elle va se marier. Exactement. en alors, fait parlez-nous un peu de, de, de cet homme qu'elle choisit. Alors, elle, France, elle, elle va se marier avec François You-Dieuville, euh, qui était le, le fils d'un You de la Découverte, qui était une famille qui avait euh, fait de grandes affaires et qui s'était ré réseautée dans le commerce des fourrures. Euh, François, lorsque le mariage a lieu à la paroisse Notre-Dame, le mariage se déroule en 1722, euh, tout le jet-set de la Nouvelle-France est présent, tout le monde signe le registre. C'est un gros mariage. Elle a, un, elle, a, elle, apporte, elle a vraiment des sommes importantes à son mariage. On lui donne un, un douaire de, 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 de plus de, de 6 000 livres. C'est vraiment des grosses sommes. Donc, c'est considéré comme un solide mariage. C'est la royauté entre là, de, de la colonie. Euh, sauf que rapidement, on découvre trois choses. La première chose, c'est qu'on se rend compte qu'une partie de la fortune de cette famille-là s'est faite notamment par la vente, ou en tout cas la, la distribution illégale d'eau de vie auprès des Premières Nations. La deuxième chose, c'est que c'est quelqu'un qui prend tous les moyens pour faire de l'argent et qui se livre aussi au trafic d'esclaves. Enfin, c'est quelqu'un qui, quand il a une somme d'argent, il la dépense très rapidement. Alors finalement, les premières années de mariage, qui sont euh, finalement euh, des années qui devraient être des années heureuses, sont marquées finalement par de nombreuses naissances, euh, quatre naissances dont un seul enfant survivra. Et survivra. Mais on va avoir aussi euh, ces problèmes financiers qui vont commencer à s'accumuler. Et là, on sent mmh. euh, dans cette période mal documentée que Marie, Marguerite, pardon, se cherche. Mmh. Alors, elle se cherche et là, elle vit très jeune euh, le décès de, de, de cet homme. Exact. Et alors, juste euh, d'abord nous expliquer de quoi il est décédé et c'était quoi la situation de Marguerite Juvelle au moment du décès et peut-être quel impact a eu cet événement dans son, dans son destin spirituel. Alors, François serait, aurait, serait décédé d'une fausse pleurésie. Donc, il aurait été malade quelques jours. Il est décédé, donc on parle d'une maladie au, au niveau pulmonaire. Euh, Lorsqu'il euh, lorsqu décède, Marguerite est enceinte d'un sixième enfant, euh, enfant qu'elle va perdre euh, quelques mois après sa naissance. Et là, elle se retrouve avec une situation. Elle habitait euh, place du marché, très belle maison de pierre léguée euh, par la famille, premier étage pour vendre, deuxième étage habité. Mais là, on a les dettes on a plus de 10 000 livres, 10 000 livres tournoises de dettes, et là, elle doit rembourser ça, elle renonce à une partie de l'héritage, elle réussit à avoir la maison, et là, pendant quelques années, elle va se faire un peu marchande avec les stocks qui étaient dans le magasin, qu'elle avait comme, on déposait ses stocks, et donc, contre une petite tristourne, elle, elle les écoulait, fait qu'elle essaye de faire vivre sa famille comme ça. Ce sont des années très pénibles. Et c'est là, dans ces années-là, qu'elle va développer de grandes dévotions. Alors des dévotions qui sont ancrées depuis longtemps comme chez les ursulines, sacré cœur, ça continue, mais elle va euh, se dédier aux dévotions à la sainte famille, elle va se dé... Oui, mais là attention oui, là, on y parle va. on parle Non non, mais les gens qui nous suivent probablement là, la dévotion en tant que telle, oui. ils ignorent même ce que c'est. Okay. juste nous expliquer concrètement quand on a cette, ce genre de dévotion à quoi ça ressemble concrètement. OK, ça peut varier beaucoup, mais soyons dans le fond, c'est une manière, on concentre dans le fond notre prière à travers un prisme, à travers un idéal qu'on identifie. Donc, on vise, dans le fond, à travers des prières qu'on va répéter. Ça se faisait souvent sous la forme, dans le fond, de, de, de prières vocales, jaculatoires. Et là, on répétait ces prières-là en ayant, dans le fond, une concentration vers la figure donc de l'intercession pour, après ça, aller vers Dieu. Donc, c'est, dans le fond, une manière de, de vivre sa foi à travers des je dirais, des, des, des personnes saintes ou, dans le fond, des éléments liés au culte catholique qui nous permettaient, dans le fond, d'accéder à Dieu. Mais l'élément fondamental chez Marguerite à ce moment-là, c'est qu'elle va se tourner vers la personne centrale de la Trinité, Dieu le Père. Mais à cette époque-là, elle va se dévouer à Dieu le Père à travers le nom du Père éternel. Et ça, pour elle, ce Père éternel, malgré les épreuves qu'elle voyait, qu'elle vivait, elle sentait instinctivement dans son cœur, dans son âme, elle sentait dans le fond une miséricorde, elle disait, même si je vis ça, il m'aime. Et donc, à partir de ça, ça lui donnait le courage de continuer et de faire face à l'adversité. Ça va devenir un espèce de moteur de feu brûlant à l'intérieur d'elle qui va l'amener constamment à avancer. Et, et, et justement, alors, ça l'amène à, à s'avancer, mais euh, concrètement, là, une fois le, le décès de son, de son mari, euh, elle va vivre de quoi? Elle va se débrouiller comment? Euh, parce que là, elle a deux enfants à charge, alors comment elle fait? Donc, elle continue pendant un certain temps son, son, son petit commerce avec les, les, les éléments qui étaient dans son magasin. Puis lentement, elle va profiter aussi du fait qu'elle va recevoir de l'aide de femmes qui vont l'admirer. Donc, il y a des femmes qui vont se joindre à elle pour vivre une espèce de vie dévote. On qui, vont, qui vont reconnaître en elle une sorte de figure euh, spirituelle particulière. Exact. En fait. ils, vont, ils vont trouver en elle, en tout cas, quelqu'un qui dégageait une assurance, mm -hmm. euh, une certitude, une, en tout cas, clairement, quelqu'un qui avait des visées plus qui, qui dépassaient les basses tâches quotidiennes. Ouais, ouais, elle va là, et, et là, ces femmes-là, décident non seulement de travailler ensemble pour vivre, mais elles accueillent. Elles accueillent dans le fond des gens pour vivre justement quelque chose d'inouï, c'est-à-dire la charité. Mmh. Et donc, ça va commencer doucement. Il faut comprendre que pour une femme issue de ces classes-là, la façon qu'elle va vivre la charité, c'était inédit dans la société de la Nouvelle-France et largement inédit aussi en France pour la même époque. Alors pourquoi? Parce que les autres femmes de, son, de sa classe vivaient... Comment leur dévotion Alors. Elles avaient, bien entendu, comme bonnes chrétiennes, le devoir de la charité. Donc, ça, ça se traduisait par des petits dons monétaires, par exemple, à des pauvres dans la rue. On, on aidait, par exemple, la philanthropie, la philanthropie. on soutenait des, des œuvres. Ça, ça se faisait. Mais ça se faisait de manière indirecte. Et on pouvait, à la limite, accepter de, de, de soutenir, administrer un peu pour ces gens-là. Mais jamais, on s'investissait personnellement dans le soutien de ces personnes-là. Voilà, 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 on voilà. incarnait. Elles voyaient dans le pauvre et dans la personne abandonnée, le Christ. Ben oui, ben oui. Et donc, à partir de ça, elle va poser des gestes quotidiens d'aide. Et ça, ça va choquer, parce qu'une femme de sa classe aurait pas dû faire ça. Mm -hmm. Donc là, il va avoir des choses qui vont être dites sur elle, et ça, ça va commencer à se répandre mm -hmm. dans la société. Avant d'en arriver à, cette, à, à, à cet aspect-là, qui est très intéressant, un mot sur... L'hôpital général, puisque c'est une institution qui va l'accueillir et qu'elle va investir aussi. Juste nous, nous permettre de distinguer le Montréal, donc, du 18e siècle, où il y avait l'Hôtel-Dieu et l'hôpital général. C'est quand même pas du tout la même chose, juste parce que quand, hein, spontanément, on peut penser que c'est deux hôpitaux, mais expliquez -moi. Exact. À l'époque où nous sommes, Hôtel-Dieu et hôpital général, c'est deux choses différentes. L'Hôtel-Dieu, par principe, c'est l'endroit où on soigne le corps et l'âme des gens. Première chose. L'hôpital général, c'est autre chose. Il a été créé. Le, le principe de l'hôpital général a été créé à Paris sous au soir de Louis XIV euh, en 1656. C'est la, la grande visée de ça, c'est le grand renfermement. Qu'est-ce que je veux dire par ça C'est qu'on avait bien sûr des problèmes d'itinérance. On avait des problèmes de de, de gens qui étaient euh, dysfonctionnels, dysfonctionnels des prostituées, ouais. tout bon. Et là, on a décidé de laver les villes. Donc on a créé des lieux d'enfermement pour ces gens-là. L'enfermement c'était pas juste de les, de, les, de les garder enfermés, mais de leur faire sentir qu'ils vivaient et c'est la conception de l'époque dans le péché. Mm -hmm. Donc ils devaient, à, ils devaient vivre une rédemption à travers un travail qui allait éventuellement leur permettre de se sortir de ça. Et ce travail-là était aussi utile pour financer l'institution. C'est presque des écoles de réforme, genre Ouais. Et là dans le fond en Nouvelle-France en 1198, on avait François Charron de la Barre qui avait décidé lui-même de fonder un hôpital de ce genre-là, l'hôpital général, qui avait reçu un appui fort solide au sein de la colonie. On en avait besoin. Donc il réunit finalement euh, une communauté une communauté de, de, de frères qui sont des, dans le fond, appelons ça des frères infirmiers, des, des assistants sociaux, peu importe. Et ces gens-là vont jouer un grand rôle. Mais lorsque le frère François de la Barre va, va, va mourir, le frère François Charon, il va être remplacé par le frère, euh, le frère chrétien c'est son nom de religion qui va être le probablement un, un, un des pires administrateurs de l'histoire du Canada. Et Dieu sait qu'on en a eu quand même quelques-uns. Mais celui-là a été terrible. Il va endetter l'hôpital général de 40 000 livres au point qu'il va se sauver en Martinique pour ne pas se faire arrêter. Mmh. Donc, c'est après ça que comme l'hôpital avait été cédé sur des terrains qui appartenaient aux sulpiciens, c'est là que les sulpiciens ont qui avait un lien très profond, parce que les, les directeurs de conscience de Marguerite Duville, c'était M. Normand, ça avait été d'abord euh, un, un autre, M. le Pape, mais là, on se dit, voilà la femme parfaite qui pourrait prendre en main euh, cette, euh, cette institution-là. Mais là, on a une réaction, non, 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 au sein de la société de la Nouvelle-France. Pourquoi? Parce que trois choses. La première chose, il y a probablement derrière ça une difficulté à reconnaître que ces femmes-là qui vivaient comme on le disait en dehors du cloître pouvaient faire un bon travail comme des gens comme n'importe qui d'autre. On n'acceptait pas encore dans la société de cette époque le fait qu'une femme puisse librement circuler dans un cadre religieux comme celui-là. La deuxième chose, on avait une bonne on avait gardé un souvenir positif de charon, on avait l'impression dans le fond qu'il euh, y avait eu de la magouille par-en-dessous pour que les, les euh, Marguerite prennent le contrôle, ce qui n'était pas vrai. La troisième chose qui, qui explique la, la, la situation, c'est que Marguerite, Marguerite Duville va probablement payer un peu à cause de la réputation de son euh, défunt époux. Ah oui. Parce qu'il avait trafiqué de l'eau de vie, parce qu'il avait dans le fond été quelqu'un dont la réputation était toute croche. On s'est dit la femme doit être comme lui donc elle va aller chercher quelque chose comme ça et c'est là vous le disiez en début qu'on a commencé à se moquer de ces femmes-là en 1738 on les a surnommées les femmes grises les sœurs grises Pourquoi? Pourquoi parce qu'à l'époque être gris c'est être sous et donc ah oui? Oui, oui oui puis on les accusait de trafiquer illégalement de l'alcool et c'était pas bon, pas vrai alors ah. probablement ce qui est probable c'est que promenade dans son magasin a-t-elle vendu de l'alcool? Peut-être. Il y avait peut-être des stocks qui restaient, mais elle n'a jamais trafiqué, elle n'a jamais imposé. De... Elle n'a pas fait ça, mais c'est finalement ça qui restait dans la tête des gens. Et quand la petite communauté se promenait des fois à l'extérieur, on leur lançait des pierres et des colibets. Donc, Sœur Grise, parce qu'on les soupçonnait de, 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 de trafiquer de l'alcool. et oui, puis de se saouler collectivement. Oui, ou de fréquenter des gens de mauvaise vertu. Absolument, des... tant ah, y oui. être, alors, Moi, j'ai toujours pensé que Sœur Grise, ça veut dire des, des, des femmes un peu à carrière, ou euh, mais... Alors, là, vraiment... Non je, 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 hein? On apprend des choses, hein? c'est bien, figure marquante. Euh, 1738 à 1744, elle a un gros problème de genou. Euh, ça, ça hypothèque énormément sa santé. Expliquez-nous d'abord qu'est-ce qu'elle a, mais, mais surtout le rôle que ça a pu jouer dans son orientation spirituelle. Ok. Alors, elle a, euh, elle, on, elle remarque, puis rapidement, elle a des problèmes avec une de ses jambes. Au début, on pense qu'elle a attrapé. Euh, euh, froid, une sorte de rhumatisme lié au fait qu'elle allait régulièrement à la messe le matin. Euh, la neige, les rues de Montréal n'étaient pas mieux déblayées à cette époque-là qu'aujourd'hui. Donc, elle devait marcher puis par parcourir le. Alors, on pense qu'elle s'est usée un peu avec ça. Et euh, éventuellement, les douleurs vont devenir vraiment très lourdes. Alors, bien entendu, la médecine étant ce qu'elle est à cette époque-là, les plaies vont se multiplier. Et là, il y a un médecin, le médecin, le chirurgien Benoît, va décider de lier les deux plaies ensemble en découpant un peu plus ça va accentuer la douleur de cette pauvre femme qui va, qui va vraiment avoir... On, on s'imagine dans quelles conditions ça a été fait. Il n'y avait pas beaucoup d'anesthésie. Non, pense. pas vraiment. Non. Et là, elle doit vivre avec ça. Et ce qu'on a dans les mémoires de l'époque, c'est quelqu'un qui vit avec beaucoup de douleur, qui a peine à marcher, euh, qui sort à peine de l'édifice, mais qui marche à l'intérieur difficilement. Et qui pendant, et reste silencieuse par rapport à ça parce qu'elle elle considère, dans la logique de ces lectures, je vous ai parlé euh, des lectures de, liées à la Croix du Père Bourdon qu'elle avait lu euh, euh, chez les Ursulines, elle considère que cette souffrance-là va être euh, une étape importante à traverser. Alors. Elle vit n'importe quoi. Il y a un autre chirurgien qui va voir, le chirurgien Feltz, qui décide, bien entendu, hein, on a des grands remèdes à cette époque-là, on prend un crapaud ah ben et oui. on lui fait lécher la plaie ah. de Marguerite Diouville oui. par ah ben. un crapaud. Un crapaud. Un crapaud. Alors, euh, je vous, si jamais il y en a qui veulent des crapauds, non, non, on arrête. C est, c est, non, on n'essayera voilà, ça. On, on, pas, on ça. pas ça. Non. Donc, bref, finalement, elle va passer à travers… Euh, cette période-là, on ne sait, sait pas vraiment comment elle s'en est guérie. Mais ce qu'on sait aujourd'hui en tout cas, certains historiens qui se sont penchés sur la situation pensent que dans le fond, elle a souffert euh, dans le fond des conséquences d'une gonorrhée. Ah bon? Alors, il semble que on sait que François, son, son, son défunt mari, avait des habitudes de, de commerce de fourrure. Il s'éloignait souvent de la maison. On est certain, en tout cas les, les, euh, les commentaires le font, qu'il qu entretenait euh, des épouses euh, des Premières Nations ailleurs euh, dans différents territoires. Donc il est certain qu'il lui aurait probablement transmis une maladie vénérienne. Mais chez la femme, qui est dans le fond, le temps d'incubation ouais, est ouais. beaucoup plus lent et ça expliquerait dans le fond que la maladie se soit déclenchée plus tard euh, chez elle. Donc une une on dit une monoarthrite. Euh, monoarthrite gonorique. Parfait. Alors, Retenons, ne souffrons pas de cela, Non, d'accord. D'accord. Euh, en 1745, donc, oui. à, là, finalement, elle s'en sort. Oui. Hein, c'est presque miraculeux. Peut-être c'est comme ça qu'elle l'a interprété. Elle s'en sort. Après avoir plusieurs, pendant plusieurs années, elle souffre énormément. Elle a mal aux jambes. Elle a du mal à marcher. Elle s'en sort. Et en 1745, elle et quelques femmes font un serment. Exact. Alors, racontez-nous euh, la nature de ce serment et l'importance pour euh, Marguerite Duville. Alors, ce qu'on a là, à ce moment-là, d'abord, il se passe un autre événement dans sa vie. D'abord, les gens commencent enfin à reconnaître, parce qu'elle accueille de plus en plus de gens oui. chez elle, à reconnaître que finalement, euh, la veuve Duville est une femme qui, est, euh, qui, a, qui a du grand bon sens, qui fait des belles choses. Et qui joue un rôle et utile. Et qui joue un rôle utile. Mm -hmm. Alors donc, on dit ben, « Finalement, elle n'est pas si mauvaise que ça. » Alors, on, 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 elle, elle se loge dans une nouvelle maison, elle accueille plus de gens, mais il y a un incendie qui oui. va ravager la maison en 1745. C'est assez pour décourager pas mal de gens. Elle le voit encore une fois comme une nouvelle épreuve purificatrice. Et là, elle va amener les femmes qui sont avec elle à faire justement pour la première fois ce qu'on va appeler euh, un peu les vœux primitifs. C'est qu'elles vont, dans le fond, s'entendre pour... Ce n'est pas légal, ce n'est pas, pas reconnu par l'Église, mm -hmm. mais c'est comme si elle prenait ce moment-là pour dire, nous faisons communauté, nous vivons clairement au service des pauvres sous la lumière du Père éternel et nous allons servir cette société. Mm -hmm. Alors donc, euh, cet engagement primitif va être d'une importance capitale dans, la, je dirais, la solidification de la vocation de ces femmes. Qui vont bientôt être officiellement appelés enfin à gérer l'hôpital général de Montréal en 1747. Oui, mais qui a des qu est en qu délabrement qui est une institution. Ça, alors comment ils font justement pour gérer cette institution là Est-ce que comme leur réputation s'est améliorée, est-ce que c'est par la philanthropie? Comment, comment elles s'y prennent? C'est d'abord une femme, on sait qu'elle a un bagage familial d'affaires. Oui, oui. Donc, c'est une femme qui va, const... va... va d'abord demander à tout le monde de mettre l'épaule à la roue pour y arriver, elle la première. Ils vont, dans le fond, toutes ces femmes-là et les gens qui sont à l'intérieur vont travailler. Que ce soit dans la couture, on prend des contrats, Vous par exemple. les femmes qui sont à l'intérieur, mais combien ça peut représenter de gens qu'elles accueillaient à peu près dans... Donc, au départ, c'est une petite communauté. Là. On parle euh, au départ d'une quinzaine de, de, de personnes, puis le nombre de personnes va aller en augmentant tout le temps. Euh, quand elle arrive à, à l'hôtel Dieu, elle doit emprunter à l'hôpital, à, à pardon. Oui. <laughs> Crime de l'aise, Majesté. Alors, quand elle arrive à l'hôpital général, ouais. elle doit emprunter de nouveau pour faire les réparations de base. Il ne restait à peu près aucune fenêtre intacte avec euh, le vent qui rentrait. La toiture était en délabrement. Les planchers étaient en partie arrachés. Il restait deux frères, deux vieux frères Charon qui étaient là encore, mais qui servaient à rien. Donc, elle rentre euh, son, son personnel, fait les réparations, et lentement, grâce au travail collectif, elle va réussir à euh, requinquer, comme on dit en bon québécois, euh, l'institution. Le, les autorités vont lui demander euh, aussi, puis ça va lui permettre d'avoir des rentrées de, de fonds supplémentaires, d'accueillir entre autres euh, des femmes perdues. Donc, on va avoir un étage dans cet hôpital-là qui sera le Géricault. Le Géricault, c'était quoi? C'était dans le fond un étage où on accueillait des femmes qui étaient souvent liées à la prostitution. Alors un jour, d'ailleurs, euh, on cogne à la porte violemment. C'est un soldat des Compagnies françaises de la Marine qui est là, qui est sous, qui veut voir sa bien-aimée, qui est gardée prisonnière en haut. Marguerite Djouville se serait tenue calmement devant et lui aurait dit non. Et, ça, elle, et donc, Penaud, l'homme n'aurait pas continué. Alors, l'autorité, hein, l'autorité... Elle, elle inspirait. Une ah non, c'est clair. clair. Même aux soldats. Même aux soldats. Mais oui. Et donc, euh, finalement, elle va vont, elles vont aussi avoir la brillante idée d'accueillir aussi euh, de, des veuves ou des femmes, euh, des femmes seules issues de la bourgeoisie ou de l'aristocratie qui vont accepter de payer un logement dans l'hôpital et qui vont finalement vivre dans le cadre d'une communauté, dans le fond religieuse, les exercices spirituels, la, la prière et euh, la messe. Et donc, ces revenus-là vont l'aider ah, oui. aussi un peu comme on voit dans les monastères à la limite exactement ouais. donc il, il faut comprendre qu'elle pense tout azimut elle veut vraiment aller chercher tous les moyens nécessaires et elle les trouve mais malgré tous ses efforts malgré cette énergie incroyable qu'elle déploie la bonne réputation qu'elle acquiert l'intendant bigot en 1750 de façon euh, unilatérale lui retire la responsabilité de la gestion de l'hôpital général. Alors, expliquez-nous, là c'est un gros événement évidemment dans sa vie et dans celle de sa communauté, pourquoi Qu'est-ce qui se passe On a, on a peut-être derrière ça, encore une fois, les fameuses, euh, les fameuses rivalités Québec-Montréal. Euh, je m'explique. L'intendant Bigot arrive euh, dans, au début des années 50. Euh, il est Monseigneur Pontbriand et l'évêque de Québec. Euh, il regarde tout ça et lui considère, et il a reçu des ordres aussi français on ne veut pas la multiplication des communautés religieuses. On a eu des problèmes avec les frères Charon on ne veut pas une nouvelle communauté qui risquerait à nouveau de tomber dans, euh, dans les dettes. Alors lui arrive avec une idée. Est-ce que son idée était motivée par le fait qu'éventuellement, on connaît ses, ses petits problèmes financiers et comment il a détourné les fonds avec il un œil sur le bâtiment sans savoir que le bâtiment, parce que les terres appartenaient aux Sulpiciens, ne pouvait pas être saisi. Mmh. Bref, on ne le sait pas. Mais il prend la décision unilatéralement d'ordonner la fusion de l'Hôpital Général de Québec avec l'Hôpital Général de Montréal. Il ordonne le recensement de tous les biens et commence même le transfert de certaines choses vers Québec. Les religieuses de Québec seraient désormais responsables de l'antenne de Montréal. Alors là, ça, ça crée une espèce de, de, commotion. De, de commotion générale. On profite, bien sûr, il y a toujours un avantage quand même, c'est l'hiver ici. C'est-à-dire que pour qu'une nouvelle réussisse à traverser l'Atlantique, la réponse ça te prend un hiver. Donc ouais. avant qu'on réussisse à faire bouger les choses, des fois c'est un peu long. Donc on réussit à ralentir le, le, le rythme de la saisie. Et là, les contacts parisien de Marguerite Diouville, parce que le réseau sulpicien montréalais est derrière Marguerite. Alors donc là, eux, ils sont en contact avec le ministre Rouillé, et là, ils réussissent à faire comprendre que ça n'a pas de bon sens de gérer ça comme ça. Oui, mais vous dites les sulpiciens, mais aussi même une certaine bourgeoisie de Montréal. Voilà. Exact, parce que là, justement, avec peine et misère, elle a réussi enfin à faire sa place au sein de la société montréalaise. On lui reconnaît ses talents, et on dit, voilà une œuvre qui doit rester montréalienne réalise et qui doit rester entière. Donc, si on, on coupe la chose, puis on laisse une partie de la gestion à, à, à Québec, ça va être tout croche, puis cette communauté-là fait du bien, il faut continuer. Donc, les ordres arrivent finalement de Paris et Bigot doit revenir sur euh, ses actions. Et là-dessus, Marguerite Duhuy a eu une correspondance extraordinaire. Elle assure une négociation directe avec les détenteurs des dettes des frères Charon. Elle va couvrir cette dette-là au cours des prochaines années. C'est une financière remarquable. Et finalement, ils vont s'en sortir. Donc, à la veille de la guerre de la conquête, l'hôpital est bien sûr sur sa lancée à nouveau. Alors, avant d'arriver justement à la guerre de la conquête qui commence en 1756, en 1754 dans le cas de l'Amérique la, du Nord, mais en 1753, c'est une date très importante puisque c'est cette année-là qu'on va signer les lettres patentes officielles de cette communauté. Alors, quel est son nom et, et qu qu'est-ce qu qui est inscrit dans les lettres patentes en gros pour résumer Les sœurs de la charité de l'hôpital général de Montréal, dites communément sœurs grises. Ah, le mot sur grise » est dans le. Il est là, il est marqué. Ah, oui. Elles ne s'en sont jamais départies parce qu'elles ont finalement pris cette humiliation du départ et devenu finalement ah, leur lampe. Ben oui, elles ont résisté, c'est un, une grande noblesse. Donc, ce qui était une insulte, on s'est fait insulter. Et ce, et ce que tu fais en mon nom. Alors, donc, les, on, on, elles ont accepté ça, elles ont avalé, elles se sont dit, on est passé à travers. Donc, on le porte comme un oriflamme, comme un drapeau. Mm -hmm. C'est notre nom. Mm -hmm. Alors, Donc, le nom... jamais soeur... le nom de Sœur Grise à une Non, grise. non, en effet. Donc, le nom complet, répétez-le. c'est… Donc, c'est les sœurs de la charité de l'Hôpital Général de Montréal, dites communément Sœur Grise. Et leur mission là, inscrite dans les lettres patentes. Alors, c'est bien sûr l'assistance aux pauvres sous toutes ses formes. Et bien entendu, elles vont, euh, elles vont, dans le fond, travailler au soin des âmes, parce que dans tous ces cas-là, il y a bien entendu le soin des âmes qui vient aussi en même temps avec le soin des corps. Il ne faut jamais oublier... Qu que pour une sœur grise, le malade ou la personne qui est devant elle, c'est la réincarnation du Christ souffrant. Mmh. Et donc, à partir de ça, euh, est-ce que toutes l'ont fait toujours à tous les jours? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, en tout cas, quand on lit les archives, quand on, elles, avaient, elles étaient formées dans cet esprit-là et elles devaient voir à travers la personne toujours le visage du Christ. Bon, alors, on arrive à la guerre de Sept Ans et là, on va parler de deux controverses. Exact parlais de deux controverses qui perdurent, parce que là, vous m'avez envoyé un texte récemment, puis là, on voit dans certaines présentations, en tout cas, vous citiez des textes du Canada anglais, euh, il, y avait, il, y avait, il y a deux controverses. La première controverse, c'est par rapport à l'esclavage. Exact. Aux esclaves. Est-ce que, oui ou non, cette congrégation, qui obtient ses lettres patentes en 1753, est-ce qu'elle est qu a eu des esclaves? Est-ce qu'elle en a même peut-être fait le trafic? OK. Alors, faisons le point là-dessus. Alors, on va se référer d'abord à un historien fondamental dans l'histoire du Québec qui s'appelle Marcel Trudel. Oui. Marcel Trudel a écrit le dictionnaire, un dictionnaire sur l'ensemble des esclaves qui ont été présents à l'époque de la Nouvelle-France. Il a écrit ici une, une histoire de cet esclavage. Tout à fait. Donc, quand on, on regarde ça, c'est clair, le clergé en général, que ce soit euh, le séminaire de Québec, que ce soit euh, les jésuites, que ce soit la que les différents hôpitaux et les sœurs grises, ont eu des esclaves. Donc, oui, au sein de l'Église, il y a eu des esclaves. Toutefois, lorsque Marcel Trudel parlait des grands propriétaires d'esclaves, c'est-à-dire entre 10 et 30 esclaves, euh, il n'y en avait pas du côté de l'Église. Alors, du côté des sœurs grises. Du côté de Marguerite Duville et de l'hôpital général, qu'est-ce qu'on a comme élément? Marguerite Duville a hérité, au moment du décès de son mari, de trois esclaves. Euh, ce que, que l'on sait, c'est que c'était traité dans l'inventaire dans après décès comme des biens et meubles. Oui, c'est comme ça. C'est aujourd'hui, à nos yeux, de 2022. C'est scandaleux, oui. mais à cette époque-là, c'était comme ça. Les esclaves avaient des droits. Euh, ils avaient le droit de se marier, d'être baptisés. Ils avaient, ils avaient, dans le fond, un certain nombre d'éléments qui pouvaient faire dans la société civile. Il n'y avait pas de problème. On ne sait pas, personne ne peut dire si ces esclaves-là ont été maltraités, bien traités, mieux traités que d'autres. On sait qu'il y en a eu trois qui ont été hérités par François, Dieu, François Diouville. Du côté de l'hôpital général, trois esclaves ont été cédés à l'hôpital comme donation au moment où les propriétaires ont, se sont, sont, sont retournés en France. Mm -hmm. Donc, dans l'univers direct de Marguerite Duville et de l'hôpital général, on compte six personnes. Euh, Était-il plus exploité que d'autres? On ne le sait pas. Mais en tout cas, ce qui est très clair, c'est que Marguerite Duville n'a euh, jamais possédé en elle-même d'esclaves, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fait l'acquisition d'esclaves. On n'a pas de traces de transaction de, de, de la communauté qui a acheter un non. esclave. On pas puis ça. dans les des trucs que j'avais lus, on avait dit l'hôpital général s'est livré au trafic. C'est faux, c'est archi faux. L'hôpital n'a jamais fait de trafic. Ce qu'on a eu, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait des maladies, oui, les esclaves, par exemple, qui étaient malades passaient par l'hôpital général. Donc oui, quand on regarde les registres de l'hôpital, il y a des malades qui sont passés. Mais ils n'ont pas, ils ont été traités comme les autres malades. Ça, c'est vraiment important. Pour l'instant, avec l'absence de, de preuves, je ne peux pas juger de la chose au niveau de comment les traitements ont eu lieu. Ce qu'on sait, c'est qu'on peut se poser la question comment alors une femme, euh, femme d'Église a pu vivent avec cette situation-là. Oui, parce que là, vous avez amené un livre qui est, qui est capital, que j'ai lu euh, tout récemment, parce qu'il vient de sortir, « Christianisme et esclavage ». Exact. C'est un livre remarquable d'Olivier Grenouillot, qui est le grand spécialiste de l'esclavage sur le temps long, d'ailleurs. Alors, justement, comment une religieuse, parce qu'on sait que les premiers à dénoncer l'esclavage à l'époque des Espagnols, c'était des Dominicains, c'était des religieux. Absolument. Alors, comment au 18e siècle, ces questions-là étaient-ils. Euh, enfin, qu'est-ce que vous en savez par rapport à une femme comme Marguerite Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a, a, a d'abord une interdiction formelle de faire de l'esclavage avec des gens qui seraient des chrétiens. Mm -hmm. Ça, ouais. c'est clair, clair, vrai, clair. C'est vrai qu'il le dit. La bien. deuxième chose qui est fondamentale, c'est que dans, dans l'histoire, que ce soit Paul III, que ce soit euh, Benoît XIV ou différents papes, on a systématiquement condamné l'esclavage. Mais la capacité d'action par rapport à ça, elle était limitée. Et on avait une ambiguïté par rapport justement aux gens qui étaient nés à l'extérieur des zones de christianisme, puisqu'ils étaient nés païens. -il... Alors, il y a des ambiguïtés par rapport mmh. à ça. Il y a des interdictions de trafic, mmh. il y a... mais pourtant, les gens ont des esclaves. Mmh. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que si Marguerite Bourgeois... Ça va, ça va, ça va. Marguerite Diouville, si Marguerite Diouville avait euh, maltraité clairement ses esclaves, imaginez déjà le, le brouhaha qu'il y avait eu au moment où elle avait formé son groupe et qu'on les traitait de sœurs grises, qu'on les accusait de trafic. Croyez-moi que si on avait eu une quelconque idée de malversation euh, ou de torture ou de quoi que ce soit, ça serait sorti. Mm -hmm. Alors j'ai l'impression qu'on euh, restera toujours avec un espèce de petit point d'interrogation par rapport à leur sort, à leur traitement, à leurs mm -hmm. leur conditions. Mais ce qu'on sait, c'est que rien, il a, a rien qui passe là-dedans dans les archives qui témoignerait euh, d'un acte euh, sordide qui aurait été commis. L'autre controverse, le temps file de oh, Monique Lapelle, la c'est celui de l'accueil de soldats anglais. Oui. Bon. Alors, alors, même chose. Alors là, racontez-nous. C'est qu'il y a un livre qui dit que ils auraient été traités un peu comme euh, presque des, des forçats ou euh, exact comme des esclaves. Peut-être juste nous présenter vite vite la controverse. Et... La, la controverse disait l'historien en question disait que c'était scandaleux parce que dans le fond, euh, l'hôpital euh, général avait acquis des prisonniers anglais afin de les exploiter comme main d'œuvre. C'est ça. P pendant la guerre de. Pendant 7 ans. la guerre de Sept ans. C'est ça. Quand on analyse d'abord la situation. Euh, D'abord, la plupart des hommes en âge de combattre, la milice ou les soldats, sont à différents endroits. On manque de bras. Donc, quand on, on trouvait des prisonniers, dans toutes les situations, dans toutes les villes, euh, que ce soit dans les hôpitaux dirigés par les, les religieuses ou dans des, dans des seigneuries, les bras étaient utilisés. Donc, contre repas, on leur on demandait de travailler. Mais c'était la même situation dans les, les 13 colonies. Mmh. Donc, on, on a une mauvaise lecture dans le fond du, du, euh, du, du mauvais sort qui était fait à ces prisonniers-là. D'ailleurs, sur le régime britannique, euh, l'hôpital général de Montréal va recevoir euh, un don du, du gouverneur temporaire d'à peu près 400 livres. Si le gouverneur anglais temporaire de Montréal il avait, avait vent. eu vent de mauvais traitements sur les soldats anglais, il n'aurait pas donné ces 400 mmh. livres. Donc, ça fait par... Donc ouais, moi, je pense ouais. qu'il y a un acharnement un peu sur la, la figure de Marguerite Zouville, ouais. parce que c'est une femme qui est un peu plus et, connue. Et, et peut-être sur l'époque aussi. Voilà. Oui. Alors, dernier droit, il nous reste 7-8 minutes. Euh, dernier droit, euh, à quoi ressemblent les dernières années de la vie de Marguerite Duville. Donc là, on, on quitte la guerre de sept ans en 1763, régime britannique. Elle meurt en 1771. À quoi ça ressemble? Euh, D'abord, situation financière, encore une fois problématique, à euh, l'époque de la monnaie de carte. Oui. Alors donc, une partie des, des, des sommes qui lui sont dues ne lui seront jamais remboursées par euh, le gouvernement royal français. Ça lui pose un gros problème au niveau euh, de la gestion. La deuxième chose, c'est que l'hôpital va à nouveau brûler en 1765. Thank Donc, à nouveau un nouvel incendie qui euh, qui se déroule. Euh, elle réussit à, à sauver son petit monde. On va même sauver le fameux portrait du Père Éternel qui avait été peint pour euh, la guérison euh, de, de Monsieur Normand, le Sulpicien, donc œuvre qui est devenue euh, emblématique euh, du patrimoine religieux du Québec. Et euh, finalement, elle se relance, elle reconstruit à nouveau l'hôpital, fait travailler tout le monde, et dans le contexte, elle fait une acquisition. Position extraordinaire. Elle a une de ses pensionnaires, Madame Robutel, qui était propriétaire de la seigneurie de Châteauguay, et mmh. elle décide d'acquérir cette seigneurie, qui va devenir un élément fondamental dans l'écosystème des Sœurs Grises pour l'agriculture, etc. Et c'est la fameuse, c'est l'île Saint-Bernard, c'est un îlot où d'ailleurs encore aujourd'hui euh, le cimetière des Sœurs Grises se trouve. Il y a le fameux vieux moulin qui est encore là, et aujourd'hui la ville de Châteauguay a acquis ça et protège ça pour que ça demeure un oasis. C'est un élément extraordinaire de notre patrimoine. Alors donc, elle a eu cette vision-là, mais en 1771, la santé décline, elle va faire successivement deux AVC, et finalement, le 23 décembre 1771, elle décède. Alors, est-ce que lors, lors de son décès, le destin de la communauté... Est en danger ou à cause de, ces, de cette vision, elle a assuré ses arrières et qui lui succède? Comment, comment ça se passe la suite? Alors, la, la congrégation des Sœurs Grises va connaître une expansion qui va suivre, dans le fond, les demandes des diocèses. En 1849, on va voir le diocèse de Saint-Hyacinthe et le diocèse d'Ottawa euh, demander, dans le fond, des fondations. À cette époque-là, les communautés se détachent. Donc, on, on va avoir les sœurs de la charité de la Croix d'Ottawa, les sœurs de la charité de Saint-Hyacinthe qui vont se détacher. Puis on va avoir euh, le phénomène euh, similaire ailleurs. On va avoir euh, dans, au 20e siècle à Pembroke, on va avoir à Buffalo aussi. Bref, la communauté se multiplie. Euh, le nombre de demandes augmente. On a des missions qui, qui débutent, bien entendu, au Manitoba, ailleurs aux États-Unis, dans le monde, à différentes villes euh, de l'Amérique. Bref, L'œuvre de santé des sœurs se multiplie. Les sœurs grises vont devenir des chefs de file dans la formation médicale, notamment à Montréal, avec l la création de l'Institut marguerite Diouville au 20e siècle, euh, à être formés par une comme infirmière par les Sœurs Grises, c'était quand même quelque chose d'assez fondamental. Et euh, cette congrégation-là va continuer jusqu'au tournant des années 70 à grandir. Mais comme toutes les congrégations qui ont vécu les, le moment Révolution tranquille, les changements de valeur de la société vont les affecter euh, profondément. Oui. Alors, pour, pour conclure, Dominique Laperle, euh, en quoi, selon vous, dans, dans, on peut considérer, pourquoi on peut considérer... Marguerite Duville comme une figure marquante de notre histoire. Si on avait à ramasser ça en quelques idées phares. Femme forte qui s'est affirmée dans un milieu qui laissait peu de place aux femmes. Femme forte qui avait une idée de développer un service pour la collectivité alors que personne n'y croyait. Femme forte qui a démontré qu'elle était capable de mieux gérer qu'un intendant les finances de son, de son, de son, de son hôpital. Femme forte qui avait dans le fond euh, des, euh, une foi immense euh, en Dieu et qui a su partager ses dévotions et faire croire à des femmes que ce qu'elle faisait était utile au sein de la société. Femme forte parce qu'elle a encore aujourd'hui, à travers euh, la toponymie du Québec, Laisser sa trace et qui mérite, elle mérite d'être connue. Elle mérite, bien entendu, elle a été canonisée. C'est un signal de l'Église catholique. Moi, je pense que comme n'importe qui, elle a ses côtés, son côté lumineux, quelques petits côtés plus sombres qu'on qu qu connaît moins bien. Mais je pense qu'elle mérite justement d'avoir sa juste place au sein de la société québécoise parce que c'est une, c'est une femme qui a été à tous les niveaux entière et intègre. Mme Caperle, merci beaucoup. Un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Alors, euh, si on veut en connaître plus sur cette vie exceptionnelle, malheureusement, on n'a pas beaucoup de, de biographies, mais quand même, il y, y a des lectures que vous pourriez nous suggérer. Alors, euh, ce qui est clair, c'est que les, euh, la Bibliothèque, euh, Bibliothèque et Archives nationales du Québec ont sur euh, dans leur collection numérisée, dans la section des, du rapport de l'archiviste de la province de Québec, euh, les textes de, euh, de, de M. Satin et de, du fils de Marguerite. Donc, Christophe euh, Dufrost, qui sont disponibles euh, d'ailleurs. Vous allez mettre le, mon texte en ligne éventuellement sur le site. Oui, oui, Donc, oui. les références seront là pour, euh, pour les gens. Ça, je pense que c'est un premier passage oublié, obligé. Il y a des biographies oui. qui ont été faites. Je présente une des plus connues euh, c'est celle d'Albertine Ferland Angers qui est disponible assez facilement. Euh, bien entendu, est, elle, a, elle a son âge. Euh, il y a quand même un, un, un niveau d'agiographie, de, de, de grand respect parfois, qui, euh, qui pourrait peut-être déranger certaines personnes au niveau du ton. Mais au niveau des, du fond euh, historique, c'est quand même très, très bien documenté. Euh, Claudette Lasselle, je le disais en début, a fait une notice sur le dictionnaire biographique du Canada qui est disponible en ligne, qui est très bien. Très, très historienne, très neutre. Là. Donc, ça, ça vaut la peine d'être lu. Et euh, j'en ai parlé. Il y a Estelle Mitchell, qui, est, qui était la grande historienne de la congrégation, qui a écrit plusieurs euh, livres sur, euh, euh, sur elle. Elle a fait un truc un peu. Euh, rom pas romancée, mais elle a beaucoup aimé, qui est un truc dans le fond où elle essaie d'entrer de, dans, dans la peau de, de Marguerite Diouville. Alors, il y en a qui aimeront, il y en a qui n'aimeront pas. Euh, mais donc, c'est ça que je disais, on a une, une grande œuvre à faire encore euh, au sein de la société québécoise, une biographie moderne. Merci beaucoup et à bientôt. Merci.